Ils sont 50 pilotes alignés au départ de cette deuxième manche de championnat de course de côte moto, toutes catégories confondues. Parmi ces pilotes, Dylan et Vincent, ils sont cousins et papa de petits garçons. C'est une journée très spéciale aujourd'hui. C'est sûr, c'est notre fête à nous. Du coup, c'est mieux que ce soit notre fête que c'était la fête des mères, parce que les mamans, je pense qu'ils auraient moins apprécié, mais nous, en tant que papa, ben, on est heureux d'être là aujourd'hui. Et puis voilà. C'est la famille, mais quand on met le casque sur la tête, on essaie d'aller chercher la meilleure place. Les deux camps sont prévenus, le duel entre cousins peut donc commencer. C'est Noé, 2 ans, qui démarre la moto de papa. Dans le stand du cousin, Ludovic, le mécano, est au petit soin sur la monture de Dylan. Le pneu ne doit pas prendre froid. Le pneu, oui. Bonne température, idéale pour la course. C'est quoi la température alors, idéale pour la course alors? Ben, 120 degrés, parce qu'en fin de compte, les pneus slicks, il faut automatiquement chauffer. Voilà qui annonce un magnifique spectacle, une belle bagarre. Sur ce beau tracé d'1,8 km à 3 bassins, les pilotes doivent rester concentrés. La plus petite erreur, et c'est le décor. C'est pas comme la piste, c'est sur un circuit fermé. Donc il faut se concentrer, avoir les bons points de repère au niveau des zones de freinage, etc. Parce que l'erreur peut arriver très vite. On peut se faire très 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 mal sur des spéciales comme ça. Quelques tours de roue plus tard, pour Vincent, la première montée, c'est plutôt moyen. Le temps de se mettre dans le bain. Très beau tracé en tout cas, on s'amuse, il y a du beau temps. Pour l'instant, pas encore trouvé les bonnes traces, mais j'espère que ça va venir au fil des montées. C'est une belle spéciale, c'est une route vraiment propre. Bon, dommage qu'on n'a pas vraiment la vision par rapport au Cannes, mais bon, c'est vraiment une belle spéciale. On se fait plaisir et puis on essaiera de donner du mieux en mieux à chaque spéciale. Pour quelques secondes, Dylan devance Vincent dans cette course de côte. Mais qu'importe le résultat, le plaisir de la moto est plus fort. Vincent, lui, pourra toujours se racheter dans une prochaine course. Nous sommes qu'en début de championnat.